mon beau petit romantique. Est-ce qu'on va au défi numéro un? Oui. Et cette fois-ci, je t'amène à la plage. Antoine! Ah, ça va? 3, 4, 5. Hey! Hey! Est-ce que la petite main boudinée... Oui! Na-na-na-na. Bonne chance. OK. C'est tout, bye. Bon défi. Je t'en veux. Ah, bon défi? C'est donc bien épais! C'est chien! Et oh! Et hop! OK. Ah! Ben voyons! Demain? Regarde bien ça. Ah! Oh non, non. Ah! OK. Dérouter le sable de la chaudière A à la chaudière B. Et débuter, dérouter. Vous ne pouvez pas toucher au sable, vous ne pouvez pas bouger les chaudières. C'est quoi dérouter? Dérouter? Dérouter, dérouter. Vous ne pouvez pas quitter la pièce, ben non. Le plus de sable dérouté dans la chaudière B l'emporte. Le temps s'arrête quand le sable s'arrête. OK. Dérouter. Gossant. Super gossant. OK. Dérouter. Dérouter. Ah, t'étais dérouté. Il y a pas à dire. C'est ça. Elle était déroutée par le dérouté. Mais je savais pas que c'était littéralement par changer la route. Changer de route, soit. Je pensais être dérouté, c'est un état émotionnel. L'étonné. Oui, puis tu pensais pas aussi d'arrêter le sable. Hein? Ça, ces maudites affaires-là dans vos défis, là. Quand le temps va plus vite que nous autres, là, ça, c'est comme... OK. Il y avait une chaudière A avec du sable qui s'écoule. Il fallait dévier, dérouter le plus de sable possible dans la chaudière B sans toucher au sable. Voilà, on va aller voir Kevin et Phil. Nous, c'est bon. Ah, OK. Oh, simple! OK. Passoire là-dedans. Hein, oui. Je me fais un tini. Maman, faut arrêter ça. Là. Bon. C'est déjà ça, là, pour réfléchir à nos affaires. C'est le plus long, hein? Ma fin est typhon, là. Yeah, Kev! Yeah. Wow! OK. Ça va rester dessus. C'est mon petit fond. Oh, je l'ai! Ah, oh, j'ai trouvé la solution! Fait que là, il faut que je mette le sable là-dedans. T'en plais ça. Merci, Kev. Okay. Je suis quand même content. Alors, est-ce que ce sont deux génies ou deux abrutis? Ben, écoute, deux bons résultats. Kevin a détourné ou dérouté 732 grammes. Bravo, yeah. Bravo et Phil, Kevin. Un impressionnant 1189 grammes. Bon, t'es là. C'est plus d'un kilo. Oui. Et un concours. Reste nos trois concurrentes. J'ai pas l'impression qu'ils ont fait mieux que Phil. On dirait que poser la question, c'est y répondre. Allons voir. Alors, j'ai goût d'essayer le tube. Je vais faire rapidement, OK? Bon. Ah, oh, gang de... Il y a pas de trou. Voyons, c'est tombé... Ah, oh, c'est tombé plate, ça, comme niaiserie. Il y a pas de trou, il y a... Ça, ça a-tu un trou? Oui. Ah, oh, ben, je vais prendre un petit cocotier.
Tu peux pas toucher au sable. Tu peux pas toucher au sable. Ça devrait être correct. Hop! Mmh. Yes. Attends. Je vais devoir utiliser de multiples coquettes de cauchemar. Voyons, dérouté. J'ai pas le droit de toucher à... Là, j'oublie les règlements. C'est parce que je pense que c'est la route. Dérouté? Ça marche bien, ça, non? Ça marche pas! OK, je vais me mettre ici. C'est ça. Tu vois, la gauche, c'est moins ça, là. Excuse-moi, ça, c'est ton plan? Ben, c'est dérouté. Oh, mon Dieu. Quelle horreur. Quelle horreur. Ça marche pas, ça. Ça ne fonctionne pas. Oh, j'ai une idée. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, attends. Tiens. C'est une belle idée, ça. Si je faisais un petit pont en papier toilette, là... Ah, mais voyons, c'est donc bien vite. Ben oui, mais là... Tu y crois-tu à ça, Antoine? Oui. Niaise-moi, toi. Ah, y a rien qui marche. Vite. Oh. Et hop. Oh. Non! Une déception, hein? Oh, il est un peu tard pour mon projet, hein? Merci. Samy, je pense qu'on peut te laisser la parole. Dérouté, là, ça m'a dérouté. Ce mot-là, là, j'ai pensé, c'est dévié de la route. Donc, je comprends que mes collègues très intelligents, que je respecte, ont pris des objets pour amener ça ailleurs, mais c'est transporté. C'est pas dérouté, c'est pas changer la route. J'ai focusé là-dessus, puis je suis devenue une personne non fonctionnelle. Ils ont surtout pensé arrêter la chute pour réfléchir. Hey, ça, c'était surcharge. Ça sentait le brûler. Oh, j'ai honte. La lettre d'amour, c'était en 2004, hein? Oui! Est-ce que tu regrettes? Non! Arrête, je la choisis à chaque matin. T'es pas obligé de. Et le soir, ben, c'est ça. C'est 20 ans, OK. Ça serait comme en troisième position, je pense. Est-ce qu'on peut avoir donc les poids? Ben, c'est d'abord Phil, donc 5 points. Kevin, 4 points. Marilyn a transféré 604 grammes. Oh! Oh! Mona, 577. Marilyn, finalement, Tammy a dérouté un pauvre 182 grammes. Un kilo de moins que Phil. Et pour l'instant, c'est Kevin qui mène. Oh! Bravo, mon bébé! Encore plus sur nouveau.ca.